Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benjamin Workshop. Au moment où je vous parle, je suis en stage en Angleterre pour mes études, ce qui explique un peu le décor. Ça fait un peu plus de 2 mois que j'y suis et j'avais tourné tous mes facecams à l'avance, sauf que j'ai mal calculé mon coût apparemment et du coup il me manque une prise pour cette putain de vidéo. Enfin bref, je suis bientôt de retour pour poursuivre les travaux sur la GT40. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment j'ai réalisé les chapes de fixation du train arrière qui seront fixées sur le châssis. Allez, c'est parti! Comme à mon habitude et vu que j'ai pas fait mes plans pour rien, j'utilise mes plans papier. Cette pièce a un profil en U que l'on peut facilement obtenir avec un tube en retirant une des faces, ça évite de faire du pliage. Du coup, on commence par débiter les 4 longueurs à la scie à ruban. Un petit coup de meuleuse pour pas s'arracher les doigts sur les arêtes et on a nos 4 brutes. On passe sur la fraiseuse pour les perçages. J'utilise rarement ma perceuse à colonne car ça perce tout de travers. En plus, la fraiseuse permet de faire des positionnements très précis donc on va pas s'en priver. Pour pas pourrir mon étau avec les forêts, je surélève la pièce avec des cales de fraisage. Je vais faire les 4 pièces à la suite, du coup je les cale sur des références fixes pour avoir les mêmes positionnements à chaque fois. J'utilise le forêt à pointer pour déterminer mon zéro référence. Pas besoin d'être au poil près, du coup je fais ça à l'œil pour gagner du temps. Le zéro déterminé, on va à la position du premier perçage. Après pointage, je fais un pré-perçage à 8 mm, puis 12,5 mm. Il est temps de supprimer une face du tube pour obtenir notre chape en U. Ensuite, j'ai bavure mes pièces au disque abrasif. Et voilà, les pièces sont prêtes. Vous les retrouverez prochainement assemblées sur le châssis. En attendant, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour la suite. Salut !